Are you ready? No! I said, are you ready? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on va faire un nouveau mode de jeu, et oui, encore et toujours. Cette fois-ci, le mode de jeu sera Vampires. Donc, avant de lancer la partie, je vous explique. Moi, j'ai le temps de vous expliquer. Parce qu'après, quand on est dedans, quoi. Donc, le but est simple. D'un côté, il y a un vampire. De l'autre, il y a des survivants. Le but du vampire, c'est de tuer les survivants pour qu'après, les survivants deviennent des vampires, etc., etc. Et donc, après, à la fin, il reste 0 survivants. Dès qu'il y a 0 survivants, la partie est terminée. Et pour les survivants, le but est de survivre. Ok, merci. Ok. Et pour les survivants, le but est de survivre pendant plusieurs phases, enfin pendant plusieurs comment on dit ça nouveau, pendant plusieurs assauts, on peut dire, voilà, pendant plusieurs assauts, pendant plusieurs manches. Mais leur but est de survivre contre les zombies et les vampires qui viendront donc assaut quoi. Et voilà, c'est ça le but. Et donc le but est de quand on tue les zombies ou des vampires, on gagne des gold qui nous permet de s'acheter du stuff, des épées, des armures et tout pour survivre plus longtemps. Et plus on tient longtemps les manches, plus aussi on gagne des gold, etc., etc. Mais les vampires, eux, ils voient tout. Mais les survivants, on est dans le noir total, c'est-à-dire on voit à même pas 3 blocs devant nous. C'est-à-dire sinon après on voit que dalle. Vous allez voir tout de suite. J'espère qu'après au niveau de visuel ça sera bien. Enfin voilà pour la vidéo quoi. Vous allez voir, hein. Il fera vraiment sombre quoi. En fait il fera sombre quoi. Mais c'est assez stylé quoi. Donc là on va choisir. Ouais, ça c'est les vampires. Moi je vais dans le camp humain. Et donc vous allez voir, c'est vraiment on est éparpillé dans une map. Là j'ai pris la map village. Il fait vraiment nuit. C'est-à-dire on voit que dalle. On voit que à 3 blocs devant nous. Donc c'est vraiment de la survie quoi. Et comme dit, plus les survivants meurent, plus il y a de vampires. Et bien sûr les vampires ce sont des joueurs, hein, ce sont pas des ordi. Les zombies eux par contre c'est des ordi. Donc voilà. Oui. Oui, moi je suis un français. Donc c'est parti, vous allez voir, ça va être épique. Attention. Poum. Voilà, vous avez vu. On voit juste ça. Et donc les gens ils courent de tous les côtés. Mais non, en fait le meilleur c'est qu'on arrive à tous se regrouper, à tous, enfin à être dans un endroit tous ensemble. Mais moi technique c'est je reste pas avec les autres, parce que c'est ça en fait, pour mourir vite faut rester avec des autres. Ok, on peut survivre plus longtemps, mais c'est voilà quoi, on meurt en 2 minutes. Vu qu'on est tous réunis au même endroit, et ben tous les vampires on peut dire. Et bien sûr il y aura aussi des petits bruits flippants, de la nausée et tout pour nous déstabiliser. Hein. Donc s'il y a des gros bruits qui surgissent, c'est normal, hein, c'est Vampires. Hein. C'est le jeu. Vous allez voir, hein, plus les rangs passent, plus il y a des effets qui arrivent et tout, qui essayent de vous faire flipper un peu. Et tout le tralala. Voilà, vous voyez en bas, Vaskillet by Char. Et donc est devenu un vampire, voilà. Et à droite, vous voyez le nom du zombie. Les gold que j'ai, donc j'ai 15 gold, les survivants, le round, etc. etc. Donc moi, ma technique, c'est que je vais ici. Voilà. Genre, je vais à l'écart des autres. Les autres, ils sont en plein milieu de la map, dans une maison, normalement. Enfin, d'habitude, on se réunit tous dans une maison. Mais moi, je suis pas comme eux. Moi, je vais venir ici, à la bordure de la map, tout seul. Voilà. Bon, ça risque d'être ennuyant un peu, mais... Écoutez, hein... Enfin, après... Les vampires, ils peuvent toujours me trouver, hein. Surtout comme dit que eux, ils voient tout, hein. Ils sont pas dans le noir total comme ça, hein. Eux, ils voient tout. C'est des raisons, des popos de vision nocturne, ils peuvent encore mieux voir, quoi. Donc je dis qu'il y aura pas trop d'action. C'est sûr, là, il y aura pas trop d'action, mais quand je risque d'être dans les 3 derniers survivants, un truc en genre, là, je vous dis, il risque d'avoir de l'action. Voilà, attention. Troisième round, c'est parti. Vous voyez, la petite nausée là, comme dit. Voilà.
Clairement, il y a un moment, ils feront genre la même sensation que dans le jeu Slenderman, là, du genre quand il est tout prêt. Vous allez voir un moment. Enfin, pour moi, c'est ça, quoi. Il y aura un moment comme ça. Ou genre, tout d'un coup, on va. Ça va comme ça, genre. Je suis là, normal, et là, tout d'un coup, je vais être contre le mur, je vais être comme ça. Je vais contre le mur, je vais être comme ça. Genre, c'est vraiment pour faire flipper les survivants, quoi. Même si après, ça fait pas tant flipper que ça, quoi. C'est pas un jeu d'horreur, ça reste du Minecraft, quoi. Ouh, il y a 7. Vous voyez, les vampires sont en rouge, et nous, les survivants, on est en bleu. Tout simplement, voilà, donc il y a. Moi, je reste en sneak. Hein. Par contre, là, je vous dis, s'il y a un vampire qui vient, voilà. Donc là, j'ai 25, voilà, tout ce qu'on peut acheter. Voilà, pour 20 gold, on a des popos de soins. Pour 500 gold, on a une épée en diamant, etc., etc. Et là, je peux m'acheter. Voilà, là, je me suis pris 100 gold. Moi, je vais prendre un petit stuff. Voilà. Je suis acheté un stuff pour 100 gold. Tac, tac, tac. Et je m'achète de la viande tranchée en deux. Enfin, non, j'ai pas assez de fric. Est-ce que j'ai encore assez? Oui. Allez, hop. Ah, round 4. Je m'achète de la bouffe. Voilà, les petits bruits et tout. En mode, la mort arrive. Ou pas. Là, je suis plutôt pas mal. Là, je suis plutôt pas mal, je vous le dis. Hop, j'ai de quoi m'en prendre encore. Ouais, encore. Hop. Hop, il me reste encore. Voilà. Donc là, j'ai 55 gold. Je vais m'acheter une épée en pierre. Vous dites l'épée en fer, c'est mieux. Mais cette épée en pierre, elle a aura de feu. Et aura de feu, ça peut brûler, quoi. C'est-à-dire, s'il y a un vampire qui vient, je vais tac-tac, je le brûle direct. Et je vais m'acheter de la mouffe. De la bouffe. Voilà. Ça, je la mange vraiment si. Enfin, là, je peux plus la manger, mais. Parce qu'il y a marqué. Tranche en deux dessus, steak tranche en deux. Donc je pense que si je la mange, j'ai tranche en deux quoi. Attention, round 5 bientôt. Dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, vous allez voir le bruit cette fois-ci. Voilà. Oh mon Dieu, vous avez vu où je suis là? Oh. Tac tac, voilà. Et là, on voit plus rien. Vous voyez là où je suis, c'est bien quand même, hein, parce que comme dit, là il y a plein de survivants. On est plus que 8, hein. C'est-à-dire tous ceux-là qui étaient réunis ensemble, ils se sont fait massacrer. Hein. On est plus que 7. J'ai peur qu'il y a tout d'un coup un vampire qui débarque. Surtout que les vampires peuvent se transformer en chauve-souris et tout, pour aller plus rapide, enfin pour se déplacer plus rapidement. On est plus que 5. Purée les gens! On est 5 contre 17 vampires! C'est-à-dire qu'il y a 17 vampires en ce moment même qui sont en train de nous chercher là dans toute la ville, dans toute la map. Attention, bientôt le round 6. Dans 3 secondes. Go. Voilà, là on est déjà au round 6. Hein. Comme d'hab, la petite nausée qui fait plaisir. Et vous avez vu, j'ai gagné du gold encore. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Par contre, comme dit, les vampires ils font mal. C'est-à-dire, ils peuvent débarquer là. Ils peuvent. Même un mec qui est tout seul, il peut me one shot. Hein, donc, c'est pour ça que je reste aussi ici. J'ai peur. Parce que je sais qu'il y a un français donc. Ah mince, j'ai. AI, tant pis. Voilà. Ah, 27 les gens. C'est comme. On va pas dire ça, mais on peut dire c'est comme un mode zombie dans Call of Duty. Oh mon Dieu, on n'est plus que deux survivants. Oh putain, les gens. Non, 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 non. Oh non, non, les zombies. Ah, purée. Ils m'ont trouvé, ils m'ont retrouvé. On se casse, oh mon Dieu. Dégagez, dégagez, dégagez. Putain, ils sont. Je les vois pas. Là, purée, je vais mourir, les gens. Non, laissez-moi tranquille, bande de sales vampires. Je suis le dernier survivant. Non, meurs, brûle. Non. Oh purée, les gens, je vais mourir.
J'arrive pas à courir. Non. Foutez-moi la paix. Ah. Non, je suis encerclé. Non, purée. Aïe, aïe, aïe. Non. Ah, les gens, purée, je suis mort. Voilà. Et voyez, dès qu'on meurt, on devient un vampire. Et là, vous pouvez voir, vous avez vu? Nous, en survivant, on voit que dalle. Et les vampires, vous avez vu comme ils voient? C'est magnifique, quoi. Donc, vous avez vu, hein, c'est quand même chaud quand on est survivant. Hein. Voilà. Là, je me transforme en chauve-souris. Bon, on voit pas, mais voilà. Je suis transformé en chauve-souris. Moi, je dois être là. Je dois être ici, dans le coin. Voilà, ça devait être lui qui va tuer. Je suis mort ici. Vous avez vu, hein, c'est vraiment mortel. Et les vampires, vous avez vu, ils peuvent se déplacer comme ça, ils peuvent tout voir, quoi. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des vampires, là, les chauves-souris qui volent. Ils sont comme moi. Bon, non, il faut trouver le dernier survivant, je sais pas où il est. Le tout dernier survivant. Vous avez vu, la map, elle est comme ça. Et voilà, on a gagné, on a tué le dernier survivant. GG. Vous avez vu, hein, c'est vraiment le mode, enfin le jeu Vampires, donc sur iPixel, serveur anglais. Et voilà, c'est un jeu que j'apprécie bien et je pense que j'en ferai plusieurs parties, enfin plusieurs trucs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme dit, laissez un j'aime, un commentaire ou abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Et une fois de plus, je me suis fait TP, je sais pas pourquoi. Je vous dis à la prochaine. Oui, à la prochaine. Devant ce magnifique dragon. Ciao !